Ok, donc Alex Plancassaigne, tu es actuellement ici, on est actuellement sur le circuit Carole. Tu es pilote officiel Yamaha. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ? Alors oui, je suis aidé par Yamaha directement, c'est-à-dire que j'ai la moto qui est fournie par le biais d'un concessionnaire, j'ai un budget pièce, j'ai eu aussi la chance d'être officiel Ixon grâce à Yamaha. Donc maintenant ça consiste à essayer de me placer la moto sur les podiums chaque week-end de course. Tu as eu l'occasion de piloter l'ancienne Yamaha et la nouvelle. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement en quoi ces deux motos sont différentes ? Alors c'est très simple, la nouvelle R1 c'est 20 kg de moins, 20 chevaux de plus, donc c'est une moto qui est plus agile, qui est plus puissante, qui rentre mieux en courbe, c'est une 600 avec un moteur 2000. Voilà, et avec beaucoup d'assistance électronique qui nous aide vraiment. Par contre, tu as quand même reconnu qu'il t'a fallu un certain temps d'adaptation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ? Alors, il faut un temps d'adaptation. Alors, parce qu'il y a l'électronique, on n'a pas forcément l'habitude, on n'avait pas sur l'ancienne. Donc, il faut s'adapter pour les phases d'accélération, les phases de freinage aussi un petit peu. Donc, grâce à Yamaha et Philippe Bigot, que je remercie, qui m'a vraiment aidé à Nogaro, on a pu passer ce cap très rapidement pour être devant et ça fonctionne encore. Donc, merci. Ok, merci beaucoup, Alex Plancassaigne. Merci, cybermotard.com.